Ils m'ont rien fait en tout cas. Par contre, ça les planètes d'à côté, ça c'est pas gênant. Ouais ouais, flarté. Naze. Oh. Odia 2. Ça peut être T3. Oui, T3. Vu les marques, il devait bien y avoir une tribu sur cette planète. Fut un temps. Quelque chose me dit qu'elle est plus en place. Mère Violette. Terre bleue. Voilà. C'est bon. Ça, c'est bon. Non, pas du tout. Ben non, c'est une planète aventure, donc je peux pas aller à sa surface. Odia 2. Citroniseur des cieux. Ouh, ciel jaune. Waouh! Entre, 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 sort, sort. Bon, alors, ce qu'on va faire maintenant. Attends, c'est une de mes parties, ça, d'accord, j'ai bien compris. On n'est pas alliés? What? Pourquoi on n'est pas alliés? N'est-ce pas? Pourquoi on n'est pas alliés? Ah, c'est où? Les empires Netsav ne vous aiment pas. D'accord, on n'aime personne. Bon. Salutations! Ah, tu vas toujours pas ici. Mission! T'as une mission? Bien, pendant la guerre, il a lancé une insurrection sur la planète irlandaise pour venir les éminents en accueil d'œil, mais ça s'en revient mieux. J'aurais peut-être mieux juste. Ah, les cibles illuminées. Bon, ça va, ça va. Résister la panique. Ok, j'y vais comment? Je suis prêt. À bientôt. Alors, qui c'est? C'est moi ou je viens de chez eux? Ah non, je viens pas de chez eux. Empire mec C3. Les guerriers, je crois. Philosophie de la force, les guerriers. Ils sont très beaux. Pas besoin de savoir plus, merci. Donc, je vais devoir tuer quelques-uns de vos citoyens. Il paraît que ce sont des rebelles. Ce qui donc n'est pas très joyeux. Prenez. Voilà. C'est là, dans cette ville. Non. Celle-là. Non! J'ai touché le bâtiment. Voilà! La suivante. Celle-là. Oui, je le vois. Je l'ai vu. Je vois plus. Ils m'en veulent pas, hein? Non, ils m'en veulent pas. Pas d'autre ici. Oh, mouvement latéral. Ouais. Tous mes réacteurs sont à l'arrière, mais je fais du mouvement latéral. Vachement logique! Hop, plus qu'un. Ah, je le vois. Nettoyeur. Oh, 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 ah, j'ai quoi? J'avais pas encore fait ça? J'avais pas encore fait ce succès? Ah bon, bon bah, je pensais tous ces avoirs, c'est pas grave. Félicitations, vous avez atteint le plus haut niveau d'accomplissement, vous gagnez le titre d'omnipotent. Bravo! Bon bah la jauge de progression est pleine maintenant, faut croire. J'avais jamais fait ce badge.
Sporopédia, s'il vous plaît. C'est dans la Sporopédia. Oui, succès. Succès, succès, succès. Succès, succès. Succès, s'il vous plaît. Tricheur compulsif. Alors c'est où? C'est où? C'est où? Ça c'est hein, ça c'est la tribu. Ça c'est la civilisation. Alors voilà, héros du fanatisme. Hein, ça j'ai fait, héros du vagabondage. Donc ça me fait 2 sur les 10 archétypes. Ok, ok, jouer comme, jouer comme, jouer comme. Héros de la guerre, ça fait 3. Ah, j'ai beaucoup de jouets comme, mais j'ai pas atteint le niveau 10 de. Ah. Donc le chevalier 4, qui ne s'est pas encore affiché, mais ça se fera d'ici quelques temps. Ah oui, il reste la science, commerce, chambre, ah ouais. Donc celui-là, je viens de l'avoir. D'accord, d'accord, je comprends. Je les ai pas forcément. Oh, plein de secrets en plus. Normalement, il y a des secrets que j'ai déjà. Oui. Celui dont je suis le plus fier, il est. Il est. Il est pas là. Il est pas là. Pourquoi il est pas là? Bon, tant pis. Oh, ben voilà. non, je vais pas leur prendre leur planète, non. Bon, ben, succès. Comme ça. Ok, tant mieux. 30 000. Et maintenant, il m'apprécie. J'aime bien traiter avec vous. J'aimerais voir si votre autre planète. Passons pas ce tribu, ouais. Neurochirurgien, c'est ce badge-là qui est affecté par ça. C'est pas lui. Neurochirurgien, voilà. 5 créatures à la phase tribu pour gagner le badge neurochirurgien. Donc il reste 3 à faire évoluer. Ce qui est maintenant totalement inutile. Mais c'est pas grave. Merci de me recevoir. Bon, ben, je vous les achète à 3000. Allez, hop. Avez-vous une maison? Qui dit contamination dit élimination. Et vous le cœur assez accroché pour vous occuper de ça. Encore une mission d'élimination? Bon. C'est très faisable. On va tuer des animaux. C'est le fun de tuer des animaux. Ouais! Faudrait le faire plus souvent. Je parle du jeu, hein. Et hop, allons tuer des bestiaux et récupérer un possible objet rare. Donc ce soit une embuscade. C'est un objet rare. Colonne de Scribble. Scribble. Ok. Ah, il paraît que la planète est invivable. Est-ce que Steve peut nous confirmer cette information? Il a l'air d'en avoir rien à battre, j'allais dire. Il a l'air d'être mort, surtout. Aïe. Ah oui, ils explosent. Ah. Apparemment, il y a un autre objet rare. Qu'est-ce que c'est? Statue de Kipilborn. Ça va encore faire du pognon. J'ai oublié, donc j'y retourne. Cyanisateur des cieux. Il n'y a pas d'atmosphère, mais je mets les cieux anciens. Allez savoir comment. Hein.
Ok. Andran. Ah, c'est sur cette planète-là qu'il faut que je fasse la mission. Et bien, on va passer par les voisines d'abord. Pour faire Natille. Atmosphère rouge. Aïe. Non, pas Andran. Gast. Quoi? Gastemay? Gastemay. Admettons. Admettons. On va colorier la terre ici. Non, on va colorier l'eau en orange. Ce qui a l'air de déjà être le cas. Ouais! Violet alors. Ça change rien. Ah ben normal, normal, normal. L'eau est gelée. Forcément, elle va pas changer de couleur. Donc planète Andran, c'est là. Donc j'ai une maladie à exterminer. Ça devrait se faire tranquillou. Je suis déjà passé par là. Aujourd'hui. Voilà. Le nombre de bestioles. Oh. Il me semble avoir vu quelque chose. Ah, ou alors c'était qu'un reflet. Il me semble avoir vu un énorme cratère. Si ça se trouve, c'est juste une des. Comment? De ces poches d'eau là, et à cause d'un reflet du soleil de cette planète. Ah oui, oui, c'était ça. C'était bien ça. Bon, ben je suis déçu alors. Ouais, c'est nul comme planète. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas fait de coloriage. Bon, ben tant pis cette fois. Hein. Ouais, mais c'est pas des missions de livraison ça. Moi, je veux de la livraison. Vous demander la livraison. Vous traversez 212 systèmes, mais c'est long. Remarque, j'ai dit des missions de livraison, je sais même plus combien il m'en faut. C'est le coursier. 10. C'est un peu plus intéressant quand même, hein. 25 000. C'était désagréable, bonne journée. J'ai encore une question. Diplomatie, alliance. Sommes heureux d'accepter, c'est bien. Une dernière chose. La colonne de Scribble. La colonne de Scribble est tout ce qui reste de ce qui fut sans doute la plus grande civilisation de l'univers. Oh. Fièrement dressée au pied des montagnes Alactacon, 18 colonnes accueillaient autrefois les pèlerins cherchant à fuir la persécution des mathématiciens. D'après une rumeur tenace, la colonne était mouillée, quelle que soit la saison. Je veux pas savoir pourquoi elle était mouillée, merci. La statue de Kippy le Borgne. On pensait qu'il s'agissait de la statue de Kippy le Pas Borgne. En fait, non, c'est bien celle de Kippy le Borgne, sans doute parce qu'il lui manque un œil. Ça vole haut là. Et donc vous pouvez voir Nesfa dans toute sa laideur, tout ce que son squelettisme. Livraison, livraison, je veux des livraisons. Faut trop demander de la livraison. Mission. Nous sommes attaqués par une autre espèce. Non. Non, oui, ok. Bon. Oui, bah, j'ai refusé une mission, ouais. Attends, tu me donnes pas la mission que je veux. Ah.
une aventure. Bon. Bon, ben allons-y. Allons faire cette aventure. Tout à proximité de la planète Arès, procéder au débarquement, avancer. Blablabla. Autre chose à vous demander, youpi. Comment ça? De mauvaise qualité, mais bon, je prends. Allez hop, Arès. Système Gaev. C'est pas là, c'est là. Et toi, tu rentres chez toi. Avant qu'il t'arrive malheur. Orbital Fun Station. Collecter 15 anneaux. D'accord, admettons. Ne pas utiliser le jetpack. Tu n'as pas de jetpack. Ouais. Pas de planeur ni de jetpack. J'ai des ailes, ça compte.